Et c'est à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite du championnat 2002 sur le Grand Prix d'Hockenheim. Le Grand Prix d'Hockenheim, nouvelle version hein, cette fois-ci. Alors là, on va du coup faire la qualification comme d'habitude. Au niveau des réglages, on va voir un petit peu. On va laisser par défaut, je pense. Bon, c'est un circuit qui me reste assez rapide, même si. Oula, si j'ai fait prendre une Toyota. Même si il n'y a plus la ligne droite de fou, il y a quand même deux lignes droites assez longues. Donc bon, j'aurais pu mettre mon appui, mais on va laisser comme ça. Donc le nouveau tracé à l'époque, hein, à partir de l'année 2002, avec une épingle, voilà, ici. D'ailleurs, ultra simplifié, hein, je suis en train d'y penser par rapport à la réalité, mais bon. Là, ils ont vraiment simplifié les deux premiers virages. Et là, donc la longue ligne droite et l'épingle très serrée normalement. Oula, on a presque failli louper. Et qui ressemble pas du tout à ça maintenant. Hein. Ça, c'est pareil, ça a encore évolué. Là, l'épingle est beaucoup moins prononcée dans la réalité. Ouais, le circuit est pas top, hein. Pas super réussi. Même là, ça ressemble pas à ça. Ouais, là je sais pas ce qu'ils ont fait infogramme, mais c'est pas. Bah, Atari infogramme, c'est pas super réaliste. Bon, cette portion là, on va dire que ça passe. Voilà, avec l'entrée dans le stadium. Et je vais me louper, c'est magnifique. Allez, c'est parti pour le premier tour chronométré. Panneau 100 mètres. C'était juste. C'était juste sorti. Oh, on est passé à l'intérieur. C'était pas prévu que je fasse ça. Oh là 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 là. Et voilà, du coup, le tour ne marchera pas, je pense. Ah si, il me l'a quand même compté. La piste est quand même super étroite. Je me souviens absolument pas qui c'est qui a remporté cette course à l'époque. J'ai plutôt le souvenir de l'édition 2003. Je vais regarder d'ailleurs à Munich à ce moment-là, sur la RTL. C'est pour ça que j'en ai un souvenir. Mais alors celle de 2002, aucune. Je me demande si c'est pas sur ce tracé qu'il y avait eu la. On parle souvent à l'époque des Ferrari des consignes d'équipe. Et il me semble qu'il y a un extrait de vidéo sur ce tracé, enfin sur cette manche à l'époque, où justement il y a une consigne d'équipe qui est donnée entre les deux pilotes Sauber. Et on a fait la pole position, enfin, je pense. On va voir les stands. On va faire fin de session. On va faire oui. Et du coup, voilà le classement de cette séance qualificative. Oula, ok, donc on leur a mis une seconde de 4, c'est énorme. Une seconde 4 d'avance à Mikel Schumacher, Ralf Schumacher, Montoya, Barrichello, Kimi Räikkönen, Coulthard. Bon, rien de neuf. Mikel Schumacher qui est toujours bien classé, mais qui marque jamais à la fin.
Villeneuve, Sarah Frenzen de la Rosa. Bon, bah rien de nouveau hein, en tout cas sur ce tracé, c'est pas ici qu'on aura une. Je pense une grille de départ exceptionnelle. Enfin, c'est un petit peu différent déjà par rapport à la France. On va lancer la course. Et on va rester en pneu tendre, bien sûr. Un joli drapeau japonais, au fond, j'avais pas fait gaffe. Ah mais ils partent avant. Regardez le temps de réaction quoi. À peine le bouton est rouge, ils ont déjà appuyé quoi, c'est. Bon attention, on va faire gaffe. C'est pour ça que j'ai mis la vue arrière parce que je me suis dit mais c'est pas possible, ils ont un temps de réaction, mais ce qui n'existe pas en fait. C'est 0 ms le temps de réaction qu'ils ont. Toi même si tu vas vite et qu'on par exemple t'arrives à avoir un temps de réaction de. Allez, 2 dixièmes, ce qui est déjà extraordinaire. Parce que t'anticipes. Comparé au zéro, c'est infaisable quoi. Oh, il va attaquer à l'intérieur. Attention. Ah, le temps de comprendre bien le circuit, parce que je me suis pas non plus entraîné, ça prend fort que je... De retour. Décidément, j'ai pas de chance. À chaque fois que je suis indirect, j'ai... J'ai la sonnerie qui arrive. Allez, on reprend. 3, 2, 1, go. Je sais même pas si on l'entend d'ailleurs sur le. Sur l'enregistrement. Je vous reverrai tout à l'heure. C'est vrai que c'est surprenant. Ouh la vache, quoi, il m'a sorti. Je sais pas si c'est Coulthard. Raikkonen. Non, c'est Kimi. L'avantage, c'est bien, c'est écrit dessus. Ah, c'est incisif, hein, peut-être McLaren là. Allez, on reprend la reconcentration. À l'extérieur, non, ça passera pas. Peut-être au freinage. Ah, il freine plus tard en fait, hein. Je pensais qu'il freinait beaucoup plus tôt, mais pas du tout. En fait, le problème du circuit qui fait que ça leur passe. Super réaliste, hormis le fait que je me loupe au freinage. Oh, puis la Williams à côté, j'ai fait encore perdre une place. C'est qu'il y a beaucoup trop d'arbres en fait, trop d'arbres hauts. Alors effectivement, en bout de circuit, c'est une forêt, donc oui. Mais à l'intérieur, quand on est ici, non, normalement il n'y en a pas. Oh, j'ai de repasser la Williams. Eh ben. Il faut vraiment que je reprenne du rythme. Oh, maintenant c'est la Ferrari qui a me dépassé. Oh, la vitesse! Ouais, c'est bon, faut aussi reprendre. Heureusement hein, d'ailleurs, parce que là, je suis en train de m'enfoncer dans le classement. Autant je l'aurais mis une seconde et demie en qualif, autant en course, c'est pas la même. Trois quel endroit je vais pouvoir le rattraper par contre hein, parce que j'ai pas de zone c'est ici ouais au freinage. Oh je suis vraiment trop à l'intérieur là. Ah si ça va passer, ça va passer, l'IA assisté. J'ai loupé à terre.
Je me demande si c'est pas Montoya qui a gagné en 2002 d'ailleurs. Oh, l'extérieur, non, ça passera pas. Ça passera pas. Accélération un peu trop forte et non c'est bon. Je vais partir complètement à l'opposé. Ouh la vache, le freinage. Il est trop serré ce circuit en fait. Chaque fois, il est sur la trajectoire. Bon, l'avantage, c'est que la Ferrari s'éloigne pas trop au fond. Intérieur, oui, est-ce que ça va passer? Yes, je pense que c'est bon. Ok, une place de gagner. Déhouiller quand même. Ah, c'est vraiment en espérant ne pas faire la même erreur que qu'à Manicourt. La différence c'est que la Ferrari n'aura pas l'aspiration, mais elle est quand même bien plus rapide. En parlant du oulala, vous allez dire ça n'a rien à voir, mais en fait si.
je sais pas si vous avez. Enfin, en France, à l'époque, on avait Jean-Louis Moncey, Lafitte, qui commentait les Grands Prix. Et bon, après, il n'y a pas que qui font ça, hein. Les Malbranque aussi. Enfin, je me demande s'il n'y a pas aussi. Fifi Bro le fait pas, mais je crois qu'il fait beaucoup moins. Cette particularité française de sortir des oh là 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 là, ouh là là, pendant les commentaires. Et il faut savoir que ce petit mot, cette phrase en fait, c'est vraiment très typiquement français. C'est-à-dire que les étrangers, à chaque fois, si vous regardez les commentaires, quand il y a, par exemple, je vous prends l'exemple de la vidéo du Brésil 2003, où il y a l'accident de Weber en fin de course, et aussi celui d'Alonso, enfin qui justement après prend un débris de Weber et se retrouve dans le mur. Et ben vous remarquerez que les commentaires étrangers insistent surtout sur le oh là 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 là. Et ils aiment bien en général. Aïe le panneau. Et voilà, j'ai perdu mon temps. Ah, décidément. Bon, je pense que je peux l'avoir, hein, mais il faut vraiment que j'arrive à accélérer plus fort que lui. Dans un virage, là par exemple, si je prends bien l'intérieur, peut-être accélération. Mais je suis trop loin, faudrait que je m'en rapproche un peu. Il reste combien? Il reste 2 tours. Voilà, là je suis un peu plus à ses fesses, mais même avec l'aspiration, ça passe, c'est. Ouais, trop loin. Wow, 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 wow. Bon, ça va, on a de la marge, hein, avec les jambes devant. Aïe. Je plonge à l'intérieur, j'accélère plus fort. Banking. Enfin, le banking. À chaque fois, je dis le banking, mais c'est le stadium. Le virage avant le stadium, j'ai vraiment du mal à être plus rapide que. Accélération, ouais, mais là il va. Ouais, le problème c'est ça, c'est qu'il va repiquer à l'intérieur. Et du coup. Ah, je vous l'avais dit, hein, je vais essayer de dépasser. Enfin, dans le jeu, je vais essayer d'être réglo. Parce qu'évidemment, hein, je pourrais carrément lui rentrer dedans. Passer, mais le but c'est pas ça. Oh, ben ouais, voilà, ben on parlait de ça justement, je vais casser le rond arrière. Se coller derrière. Ouais, mais non, il va trop vite. On est dans le dernier tour. Voilà, ouais, c'est encore touché. Bon, j'ai mon aileron avant qui est un peu cassé. Comme son aileron arrière d'ailleurs. Ouais, logique. C'est comme ça, et non, malheureusement. Oh, oh, j'ai glissé, quoi. J'ai glissé. Et on va gagner la course. Ah bah dis donc. Ah ouais, non, le vibreur m'a emmené complètement remis vers l'intérieur, mais du coup je l'ai bloqué, mais c'était pas ce que je voulais faire, hein. Je voulais rester le plus extérieur pour justement avoir la meilleure vitesse de sortie. Mais bon, ça s'est mal passé, mais dans mon malheur en fait j'ai réussi à passer Schumacher. Bon bah du coup, la victoire. Tant mieux. Tant mieux. Bon après au championnat, du coup on va dépasser les 10 points d'avance, je pense. Ralf Schumacher donc, non, Montoya 3ème, Kimi 4, Ralf Schumacher 5, David Coulthard 6, Barrichello 7ème. Ah par contre c'est Barrichello, ouais, qui est un petit peu... C'est un petit peu loupé. Bon voilà, McNish 20, Salo 13, ouais ils font que descendre en course, c'est dommage. J'attends les premiers points d'une autre équipe, ça serait sympa. Alors du coup, le championnat pilote, on est donc avec maintenant 14 points d'avance.
Juste savoir si j'étais pas, si j'avais loupé, enfin si j'ai pas pu le doubler dans le dernier secteur. On aurait fait du coup 88 points et lui on aurait eu 4 de plus à 82. Ah, il y aurait eu 6 points d'écart, hein. Voilà. Ça peut encore vachement évoluer ce classement. Par contre, derrière c'est loin, hein. Donc la BAC et le 3, les deux Williams sont resserrés et pareil pour McLaren. Et le championnat constructeur, on est deuxième, je pense qu'on va rester deuxième, enfin vraiment une catastrophe. Il reste donc 4 courses normalement. Et du coup toujours Ferrari, Arrows, BMW, McLaren et Renault et les autres derrière qui suivent à 0 points. Mais écoutez, on va se laisser là-dessus, on se retrouve pour la prochaine manche, je pense que ça sera le Grand Prix d'Hongrie. Qui du coup est un circuit assez serré. À la prochaine, ciao tout le monde!